Le thème, avec Gérard, rendons grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il nous a fait. À travers ce thème, nous avons découvert que Gérard a été un homme d'action de grâce
malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées. En outre, durant toute sa vie et en toutes circonstances, il a fait preuve d'une confiance inébranlable en Dieu son Père et en son Fils Jésus-Christ. Humble, serviable, solidaire autant dans ses paroles que dans ses actions, surtout quand il s'agit des plus démunis, des laissés pour compte, des enfants et femmes enceintes, Gérard Magella a été aussi un modèle de foi, d'amour, de pardon, de courage et de simplicité à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. D'ailleurs, sa devise était « faire tout ce que Dieu veut, là où il veut, quand il le veut, comme il le veut ». Te gagne une grâce spéciale que bon Dieu te bali, qu'elle t'est toujours content. C'est pour ça, li pas de jambes te compte perdu l'espoir. Sœurs et frères, mettons-nous debout pour chanter les merveilles que Dieu a réalisées dans la vie de Gérard et pour toutes les grâces qu'il nous comble par son intercession. À vous tous, sœurs et frères, pèlerins venus de partout, je vous souhaite une bonne participation à cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
révérend-père Pétuel Girard, supérieur régional des rédemptoristes, révérend-père Daniel, supérieur du monastère Saint-Girard, révérend-père Claudel, hier, curé de la paroisse, les membres du clergé de la paroisse, chers confrères, chers religieux, religieuses, les compagnes de Jésus, sœur Myriam et son conseil, les autorités civiles et politiques, pèlerins venus de partout, chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons donc la joie de nous retrouver en ce 16 octobre pour célébrer Saint-Girard Majella. Nous célébrons ce matin un ami de Dieu, un saint, un passionné de Dieu, un fou de Dieu. Dieu nous a accordé ce privilège de l'avoir comme saint patron dans notre paroisse, afin d'éclairer nos pas, de baliser nos routes, ainsi que les sentiers que nous avons à parcourir dans nos vies. Sa vie, en ses différents aspects, est un patrimoine ecclésial, spirituel, d'une haute importance. Elle nous stimule, comme dit le thème de la fête, à rendre grâce au Dieu en tout temps, en toutes circonstances, pour sa présence en nos vies, qui rassure, qui protège, car tout ce que Dieu garde est bien gardé. Elle nous invite à demeurer en tout temps, et en particulier dans les mauvais jours, des hommes et des femmes de foi. Elle nous inspire à bâtir aujourd'hui sur terre notre vie, notre pays, notre société, notre Église, sur la gratitude, sur la vérité, sur la charité, et non sur la violence qui tue, qui engendre la misère, le désespoir, la honte, le deuil, la mort. Saint-Girard, pour le don total de sa vie au Seigneur, par la communion intime et profonde avec Dieu, nous fait prendre conscience que notre vie elle-même est un privilège, que notre vie elle-même est une grâce de Dieu, que le temps qui nous est imparti aujourd'hui sur cette terre, c'est un temps précieux, un temps de grâce. C'est le temps de la patience de Dieu, c'est le temps de la miséricorde de Dieu et de notre relèvement. Prenons un instant pour y penser et implorer la compassion de Dieu. Dans le chant du Kyrie, implorons la compassion de notre Dieu.
conduise à la vie éternelle. Thank you.
Dieu, tu as voulu attirer à toi Saint Gérard dans ses jeunes années et le rendre conforme à l'image de ton Fils crucifié. Nous t'en prions, accorde-nous de suivre son exemple pour que nous nous transformions en la même image. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, nous allons écouter, le prophète Isaïe a glorifié nos bon Dieu parce qu'il est celui là qui servit de protection pour les femmes à toute malheureuse et notre entrailles. On écoute la qualité de déclaration ça dans le livre prophète Isaïe, chapitre 25, verset 1, rivé verset 5. On écoute. C'est vous qui montiez moi. M'a dit j'en ai un gros pouvoir, m'a fait louange ou fait un pile belle bagaille. Le travail que t'es fait dans tête ou depuis longtemps, ou réaliser le net, j'en ou t'es voulu là. Ou fait toute la ville tourner plus louange, la ville qui t'es les gros remparts tourner vieux cas écrasé. Citadelle l'ennemi yo te bâti a disparaître. Yo pap jam ka rebâti encore. C'est peut-être ça. Moun gros nation yo a fait louange. Lui Jean Bogé qui était dans la ville gros pays yo va gen kanti fou. Parce que ou te servi protection pour moun ki faible. Yon protection pour malheureux lè ou te nan trai. C'est bon côté ou yo paré la pluie. C'est en bas l'ombre à jour, yo paré soleil. Les méchants yo mauvais, yo tant kou gros la pluie, l'orage kap tombé nan temps fredi. Yo tant kou gros soleil kap boulé, yon tè sec. Mais grand maître ou kase fè l'ennemi nou yo. Ou fè tout méchant yo fè men bouche yo. Ou fè yo fret tant kou les gros nuage barré soleil là nan saison chaleur. Parole du Seigneur. Tu es mon Dieu, mon unique bien. Méditons dans le psaume 15.
partager ma coupe. De toi dépend mon Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Je me suis laissé dépouiller de tout afin de gagner Christ. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous demande de chercher le bien suprême, celui que rien ne peut nous en priver, Jésus-Christ. Écoutons ces paroles tirées du chapitre 3, les versets 8 à 14. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte,
oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le principe de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Acclamons la parole de Dieu. »
Effectivement. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui êtes venus de partout pour célébrer donc Saint-Gérard, nous voudrions en profiter pour saluer également les fidèles de Saint-Gérard qui sont à l'étranger et qui nous suivent par le biais du net. J'en profite, comme j'avais omis de le faire au début de la célébration, de saluer nos chers diacres, Jochebed et Jonas. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver, car nous célébrons aujourd'hui un grand saint, Saint Gérard Majella. Pourquoi l'Église catholique célèbre la vie d'un saint ou bien d'une sainte? Le saint n'est pas la statue ou l'image, la photo que vous voyez, ou bien l'image qui le représente. Le saint est la personne qui a vécu parmi nous de manière exemplaire et dont la vie reste et demeure un témoignage. Le saint vit aujourd'hui auprès de Dieu. Il est avec Dieu. Il est dans le sein de Dieu. D'ailleurs, c'est de là que vient son pouvoir d'intercession, parce qu'il vit dans la proximité de Dieu. Il contemple Dieu. Il est dans la joie de Dieu et il baigne dans la plénitude des grâces de Dieu. Voilà donc un saint. Nous nous rappelons dans le livre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 43, déjà, il y a un homme qui a eu ce privilège, ce grand privilège d'entrer au paradis, de rejoindre tout de suite le paradis. Le larron repentant, quand il eut à dire à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus le dit tout de suite, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Saint Paul, de son côté, était porté par ce désir fou d'être avec Dieu, d'être avec le Christ. Quand il dit dans la lettre aux Philippiens, je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Philippiens chapitre 1er, versets 23 à 24. Je désire partir pour être avec le Christ. Pour être avec le Christ, c'est un bonheur, c'est un privilège, c'est une grâce d'être dans l'éternité avec le Christ, de pouvoir jouir de cette délice nuit et jour, je dirais, éternellement. Mais c'est Paul reprend, mais demeurer avec vous en ce monde est encore plus nécessaire. Les saints ne sont pas dans les tombeaux. Les tombeaux ne sont pas capables de retenir un saint. Et cela depuis la résurrection du Christ. Écoutez ce qui s'est passé le vendredi saint. Quand le Christ a expiré sur la croix, l'évangile de Matthieu nous rapporte que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts, ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux après la résurrection du Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. Nos saints ne sont pas dans les tombeaux. Nos saints sont auprès de Dieu.
La mort n'a plus de prise sur eux, sur elles. Et d'ailleurs, les saints, comme je l'ai mentionné au début de la célébration, les saints sont les amis de Dieu, les intimes de Dieu. Et la vraie place d'un ami sûr est dans le cœur, est dans le cœur. Je porte mes amis dans mon cœur. Et mes amis également me portent dans leur cœur. Nous sommes toujours en communion. Ce sont des amis. Et cela de la même manière, donc, que le tombeau n'a pas pu garder le corps du Christ, le Vendredi Saint, le Hétiomo, le Saint des Saints, le tombeau ne saurait retenir nos saints. En outre, nous sommes les membres de son corps, nous sommes les membres du corps du Christ. Nous formons avec le Christ, depuis notre baptême, une grande famille, la famille de Dieu. Et chaque membre de cette famille compte. Chaque membre de cette famille compte. Nous sommes ici en tant qu'assemblée du désert, la grande famille de Dieu. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Et parmi nous, il y en a qui sont déjà rendus au ciel. Je dis parmi nous. Il y en a qui sont déjà rendus auprès de Dieu. Et c'est là l'Église triomphante. Nous autres qui sommes encore sur cette terre en train de mener le bon combat, on nous appelle l'Église militante. Nous militons encore. Nous sommes toujours dans ce processus de sanctification parce que uniquement les saints pourront entrer dans le royaume, pourront être auprès de Dieu. Et c'est pourquoi ce temps qui nous est imparti, c'est un temps de grâce, un temps de la patience de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Dieu nous fait miséricorde. Le Seigneur attend que nous nous convertissions, que nous devenions des saints également, comme Saint Gérard, comme Saint Gérard Majella. D'ailleurs, au début de l'Église, on appelait les fidèles du Christ les saints, la communion des saints. Quand nous prenons l'Eucharistie, c'est la communion, la communion des saints. Nous prenons le corps du Christ parce que nous sommes appelés à la résurrection. Nous sommes faits pour la vie et pour la vie éternelle. En général, une famille, dans toute famille en général, en dit de ce nom, il y a toujours au moins un album qui garde la mémoire de la famille. Il y a toujours un album qui garde la mémoire de la famille. Les photos qui y sont gardées, précieuses, montrent au-delà du temps et de l'espace la force des liens qui tissent les membres de cette famille. C'est pourquoi nous gardons des photos dans nos albums. C'est pour nous rappeler toujours la force de ces liens qui nous tissent, qui nous mettent ensemble. Nous sommes soudés les uns aux autres. Nous sommes forts. Nous ne sommes jamais seuls. On n'est jamais seuls. Et pour la famille du Christ, de Dieu, nous ne serons jamais seuls. Le Christ est avec nous. Et d'ailleurs, le Christ nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes pas seuls. Le Christ est avec nous. Nous sommes toujours dans cette communion avec Dieu. C'est chaque jour que l'Église, notre famille, ouvre cet album pour nous faire revivre le bonheur que nous avons quand nous nous mettons au service du Christ. Aujourd'hui, c'est le tour de Saint Gérard Majella. Saint Gérard Majella est né à Mureaux le 7 avril 1726 et il est mort le 16 octobre 1755. Il a été béatifié le 29 janvier 1893 et canonisé le 11 décembre 1904 par le pape Pie X. Les saints, frères et sœurs bien-aimés, sont d'abord un rappel de ce que la grâce de Dieu peut accomplir dans nos vies. Ils nous rappellent que le royaume de Dieu
est possible pour nous. Et pour notre méditation ce matin, en cette fête, je me permets de retenir trois points tirés de la vie de Saint Gérard, en rapport, bien entendu, avec le thème que vous avez médité durant la neuvaine préparatoire. Avec Gérard, rendons grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il nous a fait. Et les trois points sont les suivants. L'humilité dans la vie de Gérard, la foi dans la vie de Gérard, la charité dans la vie de Gérard. Trois points. L'humilité, la foi et la charité. Ces trois points sont des phares qui éclairent, qui nous éclairent et qui nous stimulent également. Je veux commencer d'abord par vous conter une petite histoire bien simple. C'est au moment qu'allait la caille boulanger, qu'allait en boulanger. Bien entendu, elle s'est fait accompagner par sa fillette, sa petite fille. Elle était toute mignonne. Et le boulanger, après avoir donné donc ce qu'il fallait à la mère, regarde la petite. Il lui dit, oh, comme tu es mignonne, comme tu es mignonne. Et puis, boulanger a pris un petit pain, l'évangile, baye Timouna, baye Tifia. Tifia prend un petit pain, elle a gardé un petit pain, elle remet un petit pain. Et puis, maman dit, qu'est-ce que tu dis, chérie? Qu'est-ce que tu dis? Ti petit la gade maman, li gade boulanger, li di, du beurre. Du beurre. Bien entendu, maman t'a pas tant. Pour petit la di ki ça? Merci. Parce que frère Maxemio, en général, si nous ouais, dans le vocabulaire nous, le mot n'a pas utilisé chaque jour. Nous t'a remarqué. Nous n'avons pas de merci la donne. Si nous, en même temps, nous t'avons pas de excusez-moi. Nous t'avons pas de pardon, excusez-moi, pardon. Nous t'avons tout pas gagné désolé. C'est pas faute moi. Si nous t'avons tout, pas s'il vous plaît, dans le vocabulaire, nous, connaissons-nous pas l'autre monde, nous orgueilleux, nous pas humbles, nous pas simples. D'ailleurs, mot humilité, humble, il sorti dans humus. Humus, non, c'est parti dans terre qui est plus fertile, mais c'est la terre. Et le sol. Et c'est pas sans raison, Frère Maxemio, toujours dit nous, les 11 oiseaux à voler pour le prendre en vol. Le premier bagage qu'il fait, il baisse. Observez une poule qui a joué le soir. Voyez comment une poule l'a fait. Il n'est pas en traité de boule volée. Il n'est pas capable. Et personne n'est pas capable. Pour le prendre en vol, ils font baisser. Il faut qu'il s'abaisse. Pour le capable de lever. Ce n'est pas l'évangile lié. Il baisse pour lui capable de voler. Ça veut dire, pour grand, pour considérer comme grand, il faut baisser. Celui qui s'abaisse sera, et celui qui s'élève. Mais pour lever, pour voler, debout comme ça, ou à tomber, ou à faire un pas. Et par conséquent, dans le vocabulaire, nous devons utiliser mot ça. Parce que c'est ça qui t'a caractérisé la vie de Saint-Gérard. C'est ça qui t'a caractérisé la vie de Saint-Gérard. Merci. Pardon. Ce n'est pas faute moins. S'il vous plaît. A tout profiter de faire exercice avec nous. Après ça, m'a passé nos examens avant de finir. Femme Maxime, si nous remarquons
la caille nous. Parole bon Dieu pas dit nous rien encore. Si on doit remarquer, nous comme quoi dire, nous pas besoin de bon Dieu encore. Nous avons tout bagay, nous avons ceci, nous avons cela, là-bas pour nous faire bon Dieu. Nous pas la crainte de Dieu. Nous faisons ça nous voulons. Nous faisons ça que l'on l'idée nous. Nous avons la crainte de Dieu. Depuis nous avons remarqué ça, comme Max Chemio. Si nous avons nous là, qui remarque ça, la Kaili, qu'on est lit, orgueilleux, lit arrogant. Si nous, comme Max Chemio, ça qui intéresse nous dans la vie, il y a seulement son seul bagaille. Belle machine, belle auto, belle caille, belle soulier, belle pantalon, belle robe, belle ceci, belle cela-bas, qu'on a son monde qui est orgueilleux. Orgueilleux. Ou à chercher la vanité. Et Ecclésiaste dit lui-même, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Tout bagage c'est passé à passer. Nous même monde c'est passé à passer. Bon proverbe dit peut-être dans tout pays a dit tout, nous c'est allumette, c'est passé à passer. Si nous t'a remarqué tout, faut marcher mieux. Nous ouais, on petit gens on supérieur par rapport aux autres. Nous sentons, nous estimer que nous meilleurs que les autres, nous meilleurs que les autres. Nous t'a remarqué que c'est celle parole nous qui comptait, parole l'autre monde pas compter. C'est celle nous qui ca parler, qui ca dire nous qui choye. Et tout ça nous dit, c'est ça nous dit qui bon. Dès pour remarquer c'est ça dit ou même seulement qui bon. Bon petit problème. Ça veut dire ou orgueilleux. Dès pour remarquer ça. C'est seulement vous-même qui a parlé. C'est ça dit qui est bon. Tout ça l'autre monde dit pas bon. Tout ça l'autre monde dit pas bon. Mais c'est seul vous-même. C'est monsieur, je sais tout. C'est madame, je sais tout. Dès pour arriver dans le point ça, qu'on est ou orgueilleux. Bon, c'est exemple, ça c'est pas. Boïsit là, bien entendu, c'est pas choral Boïsit yo. Ou bon, membre choral, ou l'homme te ou en côté, membre choral là, depuis a choisi chant, c'est lui qui pour entendre les mains pour proposer dernier chant, depuis le commencement jusqu'à la fin. Même si chant choisi a parlé avec moment, je voulais imposer là, mais c'est lui qui prend. Depuis qu'on pas prend, lui fâché. Et puis il pas chanter non dimanche. Il pas chanter pour bon Dieu non dimanche. Bouche li marre parce que yo pas de prend chant là. Et tout chant pour qui est chant yoyé pour bon Dieu. Dès pour remarquer dans catégorie sorié et dans stade sorié, ça veut dire ou orgueilleux. En même temps faut marcher mieux. Si vous remarquez ou pas jamais bien compassion dans cœur. Pour l'autre monde. Ou pas j'aime dire pour diable. Que pas j'aime fort mal. Pour monde qui malade. Que pas j'aime fort mal pour monde qui malade. Ou pas j'aime aider monde malade. Ou toujours mépriser monde malade, al malade. Comme quoi dirait ou pas j'aime malade. Des fois, mépriser les gens comme ça, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un handicap, ils ont des petits gens. Mais entendu, il y a de gros jeunes garçons, de gros jeunes filles qui font ça. Il y a des gens qui sont handicapés, ou monsieur qui ont un petit bras, il a joué à ça, il a mis les gens, il a charré les gens parce qu'ils ont un petit bras, il a charré les gens parce qu'ils ont un pied. Ça veut dire que ce sont des gens qui tellement orgueilleux, ils ne peuvent jamais penser que nous jouons. Il est handicapé. Il pas jamais pensé un jour que le gagne un petit bras tout. Deux pieds le gagne un seul. Bon,
expérience dit nous, 12 janvier, combien de monde qui perdent un pied, qui perdent une jambe, qui perdent un bras, qui perdent une oreille, combien de monde, un peu de monde. Mais si vous pensez, depuis vous l'enquête ou vous n'avez pas de camarade, personne, malade, vous n'avez pas de compassion pour lui. Les gens qui sont malades là, ou elle a souffert, ils ont pris ça pour lui, ou ils n'ont pas de temps, ou pas de temps, ou pas de temps, ou pas de temps, ou pas de cœur, qu'on est orgueilleux, qu'on est orgueilleux. Et, Fama Chemio, si on ne respecte pas les gens, depuis on ne respecte pas les gens, quel grand, quel petit, depuis on ne respecte pas les gens, les gens n'ont aucune valeur pour vous. Ou dit les gens qui sortent dans la bouche, ça ouvre. N'importe qui sortit dans la bouche ou dit les gens. Ou traiter les gens tant que bête. Dès que vous arrivez dans ce stade, ça, quel que soit le poste dans la société, quel que soit le degré arrivé dans la société, dès que vous ne respectez pas les gens, pas de valeur dans le jour, pas de l'autre bagaille, ou orgueilleux. Ou orgueilleux. Si vous êtes égoïste, si vous êtes égoïste, faut que c'est mieux. C'est celle pour tête ou. Ouais. Celle tête ou. Celle où besoin manger. Celle où besoin manger. Ou prend tout pour vous. Ou prend tout pour vous. Les apps séparés manger. Et allez vous mettre manger sous table et tout le monde a le servi. Ou avec plusieurs côtés nous arrivés. Il n'y a pas qu'à mettre manger sous table. Vous avez dit que vous avez le servi, non? Bah la crasé. Premier ou deuxième monde qui passe à lever tout. Lever tout. Gede le gede le mariage qu'a fait ou un monde qui prend code dedans, il prend tout code dedans la lavelle. Il prend tout dedans la lavelle. Ou pas cadre. Depuis un monde égoïste, li égoïste, c'est tête seulement tête il connaît. Pas l'autre bagaille, li orgueilleux, c'est celle lui-même. C'est le pic de la mirandole, c'est celle lui-même qui existait. Et puis, là, il y a un problème. Ou la situation à vivre la journée aujourd'hui, c'est égoïste qui met nous là. Oui? Nous ramasser pour peut-être nous seulement, nous ramasser peut-être nous, jusqu'à ce que nous faire tout pays à vivre invivable. Nous faire pays à invivable. Nous ne pas vivre. L'orgueil, nous sommes orgueilleux, nous sommes égoïstes. Dès pour arriver dans ce stade, ça. Ou à séparer, ou à gagner l'autre là, ou pas qu'à retirer un petit bail bali. Retirer un petit bail bali. Qu'on est orgueilleux ou égoïste. En même temps, si vous énervé pour un rien, de quoi vous énervé pour un rien, n'importe qui critique là, ou quand vous énervé, ou quand vous fâché, boudé, ceci, cela. Ou orgueilleux, ou pas gagner la patience. Nous songez, t'es un nègre. Il était très intelligent, à vrai dire, très compétent. Mais, monsieur était toujours énervé avec l'autre frère Lio, parce que l'autre frère Lio n'est pas aussi intelligent que lui-même. Parce que tout le monde n'a pas le même degré d'intelligence pour Maxime Lio. Tout le monde n'a pas le même degré d'intelligence. Tout le monde n'a pas apprendre même gens. Il y a qui apprennent vite. Ou pas, il y a des gens qui marchent vite. Il y a des gens qui sont lentement pour marcher. C'est comme ça nous est. C'est quoi mon Dieu fait nous? Il y a qui marche vite, il y a qui marche lentement. Ça veut dire, lui-même, depuis qu'il dit un bagage, il était capté, il comprend ni. Et là, il regarde, il voit l'autre là, pas comprendre le bagage là. Il s'est bien ville. Il voit c'est ça pour ça, pour, mais ça pour le faire, pas faire. Au lieu pour changer qu'on l'a. Alors, c'est un bagage qui passait longtemps, il était dans nos vicia. Et puis, il y a une nappe, nous mettons sous l'hôtel là, alors permettre là toujours vle, pour que nappe ça, nappe d'hôtel là, c'est pour le tirer à quatre épingles, et puis c'est pour le symétrique. Et pour partir, même quantité qui bord à gauche, c'est même quantité qui bord à droite, et pour le symétrique. Alors, il y a une qui fait effort, pour y aller. Là, on finit ranger la place sur l'hôtel là pour garder. Il y a même à chercher mesure. Il y a un petit papier à mesurer là pour rester la même quantité à l'autre bord. Parce que j'ai permis là, et puis il paraît, si le pas symétrique, il y a un peu de la symétrie. Ou mal mettre et il n'a pas.
Mais il y a des nègres qui font ça vite. Il y a des autres nègres qui l'ont. Et puis, je suis changé qu'on frère lui-même. Ça t'a toujours énervé dans un moment. Et puis, c'est l'autre là qui mettait le gré. Regarde. Et c'est pas comme ça, Mais il était toujours énervé sur l'autre là, fait colère. C'est pas l'autre bagaille. Ou orgueilleux. Ça veut dire, ou pas qu'à marcher avec les gens qui l'ont. Moun ki pa ka mache vite ensemble avec là ou pa ka aller ensemble avec elle ou orgueilleux ou comprendre que tout le monde intelligent même j'ai avoir tout le monde gagne même degré intelligence même j'ai avoir tout bagay facile pour vous même gens tout bagay facile ou pensez que ça bagay la facile pour tout l'autre yo bagay la pas facile pour tout l'autre monde ou gagne deux classes un petit monde pour le faire c'est 2 ans pour le faire la donne gagne même depuis au paraît pour faire ça tellement ouais au fort au sauter aux classes. Et pas vrai, ils sautent aux classes. Ils comprennent vite, Mais l'autre là c'est 2 ans. Mais ça qui est intelligent, bien souvent, il est orgueilleux parce que l'autre pas comprend rien, il pense que l'autre là même j'en avais, il doit comprendre lui même j'en avais, il fâché sur lui le jour, il crétin. C'est vrai ça joue mon crétin, oui. Crétin, on saute, Les pauvres mon a joué mon saute, imbécile. Orgueil ou orgueilleux. Si vous avez une difficulté pour demander mon pardon, ou une difficulté pour excuser, ou une difficulté pour dire c'est pas faute moi non. Mais pour arriver dans ce stade ça, ou pas qu'à dire au monde, ou pile, c'est pas faute moi. Excusez. Je ne pense pas que c'était ça. Ou orgueilleux. Parce que ou pas contre toute bagaille. Si ou en même temps, Fomak Chemio, ou pas qu'à apprécier ça, yon l'autre monde fait. Yon qui pas qu'à apprécier ça, yon l'autre monde fait, non? Depuis où elle te gâte en détester moun nan, quel que soit bagaille moun nan fait, il n'est pas bon l'angèle. Quel que soit ça moun nan fait, il n'est pas bon l'angèle. Il fait bien, moun nan fait bien, il n'est pas bon. Quel que soit ça moun nan. Marcher mon n'a pas bien même si mon n'a marché non même si mon n'a mis un bon belle rade sous le mettre il dit ah il va commencer à habiller il toujours une dernière parole pour dire parce que il pas qu'à apprécier l'autre c'est seule tête qu'il qu'à apprécier c'est seule tête qu'il qu'à admirer lors elle a vu l'église eh bien les gars pour passer 30 minutes au moins devant glace devant miroir pour le virer à droite pour le virer à gauche pour regarder est-ce qu'elle est correcte. Parce que celle tête-là, il est admiré. Il n'est pas admiré l'autre là. Et en général, Fomak Chemio, nous, et l'autre fait une remarque. Même remarque qu'on fait au monde. On ne peut pas commencer par ça, on ne fait pas bon, non? Pas des fois, non? D'ailleurs, intellectuel, il compte ça très bien. Ou intellectuel. Les gens font une remarque. Il commence par féliciter. Il faut le valoriser. Ou bien valeur vraie. Ou gen valeur vrai, il commence par valoriser ou, par féliciter ou. So faire bien, ou te fait ci, ou te fait ça, ou te fait ça. Et puis après, il parle dire mais. Alors dans la salle de coup, les m'te ba un travail fait et puis m'a promettre travail là et puis commence par féliciter et puis étudier ou m'a féliciter et puis après ça, yo tant moins comme dit mais, yo dit c'est là que nous vous attendons. C'est là que nous nous. Non, mère. Parce que c'est mère qui va le dire, ok, il faut encore pour faire. Tout qui est tout à fait normal. Nous pas bon Dieu. On a toujours un effort pour faire après. Mais de pour comprendre que tout ce qu'on fait bien, tout devoir, tout ce qu'on dit, c'est ça. 10 sur 10. Pas qu'on t'y joue, pas qu'on barre ou manque. Ou orgueilleux. Ou prêtez pour bon Dieu, ou pas bon Dieu. Ou orgueilleux. Et qui fait Fomak Chemio, ça est important pour nous-mêmes. Si ouais, nous pas supporter pour moun faire nos remarques. Il y a qui pas supporter moun faire remarques. Bien entendu, on pas faire moun remarque en public. Soit faire moun remarque en public devant tout le monde, c'est crajo à Brazil. C'est pas remarque faire moun non. Mais gen moun naturellement pas accepter moun yo faire. Me songe gon monsieur, alors tu es pressé. Pas gen la coule. Na orgueil. L'empressé pour venir l'église là. Il a passé ceinturon, il a un passant, il a sauté un passant.
Et puis, pendant la vie, il y a un monde qui dit, monsieur tel, oubliez un passant, oui. Il dit qui passant ça, et jour qui va, ouais. Et puis, l'aile passe, mais les gars de vrai, il y a un monde qui passant. On t'a dit, il dit, moi, tu as toujours vie à faire monde. Il n'a pas toléré, il fait le remarque. Il n'a pas toléré ça. Il est orgueilleux. Il est orgueilleux pour Maxime Yo. Et puis, si vous remarquez que vous n'avez pas toléré les gens qui sont bas, nous avons l'autre danger encore. Nous n'avons pas toléré les gens qui sont bas, nous. Les gens de basse classe. Nous n'avons pas toléré les gens qui sont bas. Nous toujours à chercher rang. Nous toujours à acheter rang. Même si nous n'avons pas sous bon, non. Mais depuis son grand femme, un grand nègre, nous avons cherché pour nous en mille. N'a fait le compliment pour nous rentrer sous lit, n'a pas rentrer sous lit, nous tous sous monde, nous sous monde dans sens ça, nous sous monde. Depuis qu'on arrive dans le stade ça, on a acheté figu monde, acheté rang. Donc c'est orgueilleux. Ou t'as laissé dans le stade ça pour y avec yo, l'autre en bas, pour garder l'autre de haut. Ou orgueilleux, c'est l'orgueil qui met dans le stade ça. Et puis là, on dit ça, c'est pas pareil de yon, non? C'est pas pareil dans l'église à tout, oui. C'est pas pareil de yon, c'est pas pareil en l'air, non? Ou bien pour vous, deux mouns viennent l'église là, ça qui est bien habillé, qui est bien chelbé, grand dame, non? Et puis, il est venu. Et puis, tout le monde dans chita pas de place. Et puis, depuis le bien habillé, tout le monde a pris un petit koyo, coincé koyo, puis il a pas de place. Tu as une grande dame s'acheter à bon côté, mais on sent pas faim, on va prendre un sent pas faim au jour. On sent pas faim tout. Arrangez tes cœurs. Mais laissez malheureuse là avec vieux chapeau là. Même si tu as une place, yo ouvri jambio. Puis ouais, pour que tu pas une place là, à chercher rang. Alors, l'aime chercher rang là, c'est yon le alors qu'on frère font frère Dieu qu'on sait bien. C'est un homme mal célébré dans une chapelle. Et puis, dans un moment, baiser de paix, il y a une madame folle, qui a sorti dans le fond de l'église, qui a rentré dans toute allée, qui a déambulé, qui a paraît. Et puis, comme c'est un moment de baiser de paix, et puis, il y a une dame bien simple qui levait, qui a le bal la main. Et puis moi-même, je regarde ça, je calbale la main, parce que moi, son tête n'est pas bien, et puis l'autre a levé la main. L'autre a allongé la main en bas, il balle la main. Il a levé le faire, fouink, à chercher rond. Mais tête là pas bon. Bon. Alors, depuis que vous êtes dans ce stade, ça, qu'on est gombard, il va marcher orgueilleux. Depuis que vous êtes dans ou senti que ou sage à tes yeux, ou satisfait de tes tout, à 100%, ou dit j'aime bien bon. Ah oui, j'aime bien bon. Ah, je suis né qui, un bel garçon ou une belle fille, et puis je suis fort, je suis bien bon. Ou orgueilleux. Ou pas bon, ou orgueilleux. Ou bien pour rencontrer l'autre monde qui est plus bon, pas ça. Ou orgueilleux. C'est quoi ça va être là? On fait discussion parce que c'est au plus bon. On a un qui est plus bon à ce orgueilleux. En même temps, pour faire ma chemio, si ou est ou pas croire ou pas espérer en rien, il y a un qui pas espérer en rien. Parce que tout ça que vous avez pour vous sur terre, vous avez tout. Vous pas espérer en rien. Vous pas espérer le royaume. C'est l'offre. Faut ma chemio sur terre ça. Quel que soit sort de gain. Il n'est pas arrivé dans le point pied ciel là. Parce qu'en fait, Maxime Yo, quel que soit Jean Yé sous terre, même si vous êtes riche, même si vous avez tout bagaille, Maxime Yo, vous êtes malade quand même, vous souffrez quand même, vous avez bien la peine quand même, vous avez fait opération, vous avez assassiné quand même. Vous avez mouru quand même, vous avez mouru quand même. Ça veut dire, si bagaille sous terre, ce n'est pas l'éternité, faut marcher mieux. Quel que soit poste ou d'a gagné, quel que soit
parce que tu as un pays dans le monde, ce n'est pas l'éternité. Ou pas de l'éternité. Quel soit ton travail, quel soit l'argent que ça t'a rapporté, ce n'est pas l'éternité. Ou pas de l'éternité. Ce n'est pas ça. Ou orgueilleux. Et qui fait que l'information, c'est pour nous arriver à parler nous de Saint-Gérard. Saint-Gérard, pas de l'orgueil, ça est dans l'île. Il gourmet avec lui. Il combat. Qu'il y a formation mieux. On t'a posé nos questions là, William t'a dit. Dans tout ça que je dis là. Est-ce que nous-mêmes nous retrouvons nous la donne? Mon qui pas retrouver nous la donne, levez main yo. Aïe aïe aïe. Depuis mon n'a pas retrouvé dans ça, avait dit li orgueilleux. Tout ça qui dit là, moi-même, nous-mêmes, père yo, nous tous nous retrouvons nous la donne. Faut que nous bagaille quand même. Nous nous bagaille quand même. Ça veut dire nous avons un processus de sanctification. Saint-Gérard, il vit un processus de sanctification. Saint-Gérard, c'est un qui était plus humble. Tant que livre des Nombres dit de Moïse, Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Moïse était l'homme le plus humble que la terre ait porté. Saint-Gérard, t'es pas mille. Parce que, nous songez, il soit Saint-Gérard, un seul exemple. Il accusait Saint-Gérard, Gondam le Terrelé. Comment Dame ça Terrelé? M'a regardé. Dame qui t'a accusé Saint-Gérard, comment Terrelé? Exactement, au moins, amis. En fait, bravo pour lui. En fait, bravo. Nerea. 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 Nous avons saint pour nous la ville. Pour nous la ville. Nerea. Nerea accusé Saint-Gérard. Parce qu'en même temps, Saint-Gérard était un bel petit garçon. Un bel petit garçon. Et puis, dame nan ouel ta fondant. Mais Saint-Gérard si. Saint-Gérard si. Son l'autre bagage, l'autre problème, l'autre difficulté. T'as pour Maurice, t'as de bon difficulté dans le bagage là. Parce que Saint-Gérard si. Il si. L'el gade la bord de Saint-Gérard, j'ira pas d'accord. J'ira pas d'accord. Il dit, ouais, sou pas d'accord. M'bral dit, c'est ou même qui demande. Seigneur dit, Zafor. Zafor, même pas fait bon Dieu ça. M'pas qu'il doit faire ça. Et nous connaissons en général, depuis une fille dit, c'est garçon qui met mes souliers, tout le monde croit, oui. Et voilà. Parce qu'en général, c'est garçon qui aborde des filles, c'est pas ça? Depuis le monde qui a cru, il a dit que c'est fille, oui, qui est là. Tout le monde n'a pas cru ça, pas tout le monde qui croit elle. Et entre temps, il y a un bail qui passe, en réalité. Mais dans l'église protestante, et pas l'église catholique, dans l'église protestante, il y a un moment où il y a même les grâces, par contre, qui est pour. Mais il y a un moment où il y a les grâces, côté, qui correspondent avec baiser de paix, pas nous. Et puis, il y a un bail l'autre la main, tu es une madame, gros fille. Mais tête la pas fin bon gros fille et puis pendant yon a bay l'autre la main dans l'église là et puis gros madame de gros monsieur on diacre l'église là oui on est pour des bon sorte de diacre ici c'est là-bas et puis cal bal fille à la main fille a relé dans l'église dit oh regardez monsieur a gratté même s'entendez là l'église a cassé monsieur a honte parce que tout le monde croit les cafés. Les cafés. Parce que, je dis non, en général, il y a des nègres, ils ne jouent pas jouer à ça. Qui était tout bien, qui était tout pas bien. Donc, par conséquent, l'église a crasé, tout le monde croit. Il n'y a pas qu'à sortir. Ça veut dire pour nous, en général, pour Saint-Gérard, eh bien, les que fille a l'accusé, je dis, mais ça le fait, mais ça le fait. Saint-Gérard, qu'on est en âme et conscience, il va faire. Bah là, il vient devant Saint-Alphonse. Saint-Alphonse posait la question. Il parle pour faire silence. Parce que la règle communauté à l'époque, te dit, si vous accusez, puis vous défendez tout. Autrement dit, il supposait, ça veut dire c'est bon Dieu pour défendre nous. C'est ça qu'un babara est là. Le jour où pas défendre tout, ça veut dire pour bon Dieu défendre nous. Saint-Gérard pas défendre tête lui. En pile, monde méprisé. Il mettait dans le coin, il dit qu'il travaille, on homme a fait, avec la gauche chef frère, il travaille, il a fait, il mettait le sous-côté, il humiliait. Il prend tout, il a prié.
il a prié, il dit, grand l'heure, bon Dieu a fait justice. Effectivement, en vain et à mourir, il dit, ah, m'pas qu'à la de crime ça sous l'estomac, moi. Laisse ça, il relève le monde, il confesse, il dit, tout le monde, c'est lui qui t'a admis Saint-Gérard pas d'accord, c'est lui qui t'a fait mentir à Saint-Gérard, la calomnie. Saint-Gérard t'a fait silence. Même là, il n'a pas défendu tête, tellement il était humble. Son exemple pour nous, son phare. Pour ne pas avoir l'orgueil dans nous. Saint-Gérard, on nomme la foi. On exemple tout pour la foi. Nous songez, Saint-Gérard a travaillé avec un monseigneur qui était un mauvais caractère. Monseigneur qui était un mauvais caractère. Je vais poser une question encore. Comment était le monseigneur ça? Monseigneur ça, Saint-Gérard a travaillé avec elle. Pour tout critique rac, les gondés. Il était relé Claudio Albini. Son italien, Albini. Alors, voilà que Saint-Gérard on l'heure qu'elle cherchait de l'eau dans un puits. Nous rappelons une histoire. L'embaissé pour prendre l'eau à sa privée, tout son collecté, mon Seigneur était dans la tombé dans la prière. Tout le monde qui l'a dit, mes amis, j'ai rentré. Mais j'ai arrêté quelqu'un. Parce que, bon bagaille, j'ai fait, il y a eu mon Dieu la ville, c'est le don total de sa vie, de sa personne. Il n'y a pas qu'elle pas sauter, il n'y a pas paniquer. Comment ça le fait? Il retourne, là dans l'église qui était plus près, il y a une statue enfant Jésus, il prend une statue enfant Jésus, il arrive dans la prière, il plonge la statue dans la prière, Cléa monte, trousseau Cléa monte, vient dans la pied statue, Saint-Gérard prend le trousseau Cléa, il met dans la poche, il met la statue dans la place, enfant Jésus. Il croit, c'est la foi, il croit. Pour la charité, pas de Saint-Gérard. Saint-Gérard tout en bail. Saint-Gérard bail tout le bagaille. Les Saint-Gérard est entré là, il a pu se les capuches regardent, ouais, Saint-Gérard est trop maigre. Il est trop maigre. Ça n'a pas qu'à faire, frère. Il est trop maigre. Et ils ont consolé, ils ont dit, on ne peut pas arrêter, allez. Ils ont renvoyé. Mais puis ils ont renvoyé, puis ils sont capables de faire piquer, parce qu'ils sont douces. Ils ont fait le cadeau, une belle rade, une belle rechange. T'as qu'au défunt, puis Antonio t'a dit, une rechange, une belle rade. Pantalon à chemise. Et bien, lui, pour la lacaille. Avant Saint-Gérard arrivé à la Kaili, il regardait le pauvre qui à moitié nu. Il dit, mais, ou puis mal passé, mais. La charité. Gain de l'heure, les pères arrivés dans la communauté, pas de petit mot sur le pain. Saint-Gérard a tout le pain dans la Kaila. Mais papa, avant, je bat pendant le pain à table, il y a des gens qui ont pris le pain. C'est comme ça, la foi, l'amour que j'ai dans le cœur, c'est comme ça, Saint-Gérard. Mais comment te vivre? Le don de soi, tout lui-même c'est pour le bail, c'est pour le bail. Mais tout, bon principe dans l'évangile a dit, plus ou bail, plus ou recevoir. Saint-Gérard, depuis tout petit, la bien dans bon Dieu. L'enfant Jésus. Ouais, Saint-Gérard était toujours, on l'a dit, petit monde petit, maman toujours elle avec un petit pain. Mais de quoi un petit pain ça? Il dit, c'est petit garçon qui n'a même madame qui l'église là, qui va moins. Et puis maman regardé, tout le monde m'a suivi, mais écoute madame, ça n'est pas madame. Il dit madame, il y a un petit lambral là. C'est le petit garçon qui m'a ça qui l'ambral là qui jusqu'à ce qu'un jour, il a suivi, regardé, où elle fait direction de l'église, elle va chercher Tipe. Elle regarde, ouais, c'est l'enfant Jésus qui détaché, qui vient tout le monde, et puis qui longe Tipe, by Saint-Gérard. Et depuis le ça, tradition arrêtée, pour toute fête Saint-Gérard, il faut gagner le pain de Saint-Gérard, le petit pain. Oh non. C'est pour ça que nous disons, dans le thème, avec Saint-Gérard, on dit mon Dieu merci. On dit mon Dieu merci comment? Ce n'est pas seulement la louange. C'est vrai, nous sommes l'assemblée du désert. Nous sommes le peuple de la louange. C'est pour nous dire mon Dieu merci, c'est pour nous chanter, c'est pour mon Dieu faire tout le bagage pour mon Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement, et pas la louange en réalité. Louange là, le plus loin. Bon, comment louange là, le plus loin? Mais comment on fait louange pour mon Dieu? Gagner ou la vie de tout le monde. La vie de tout le monde, frère, est unique. Chaque monde a la ville en particulier. Chaque vie au monde, son paquet d'affaires. Parce que pas de deux monde qui est même gens. Chaque monde a une vie. Et est précieux. Bon Dieu agit dans la vie de nous chaque. Depuis avant nous fêtes, bon Dieu a agi pour nous.
Bon Dieu, il bon la vie, il bon deux yeux, il bon bouche, il bon deux pieds, il bon deux bras. Tout bagaille bon Dieu barou. Bon Dieu fait soleil la lever pour vous, ou pour vous encabane, ou pour vous même lever. Bon Dieu a arrangé pour faire soleil lever pour vous. Bon Dieu connaît pour faire la pluie à tomber pour vous, arrangé pour faire la pluie tomber pour vous. Nous sommes faits et fournis. Nous, chaque qui là, nous sommes faits et fournis. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Tout est à préprocher, bon Dieu. En dépit de tout, il y a préprocher, bon Dieu. Bon, Saint-Gérard, ça le fait, il baille bon Dieu toute la ville. Pour quelle raison? Ça sortit dans la parole de Dieu pour nous finir. Attendez. Dans le livre de Théronome, chapitre 26, versets 1 à 11, il raconte nous, les peuples d'Israël sautent dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Il passait 40 ans dans le désert. Après ça, il rentrait dans la terre promise. Mais bon Dieu était tellement prend soin dans la terre, dans le désert, malgré le désert sont aride, pas de manger, bon Dieu fait manger sur le ciel, tomber pour lui. Désert là, pas de l'eau, bon Dieu fait de l'eau sortir dans la roche. Comprenons moi encore. Serpent, mordé, nuit, tournez les nuit. Bon Dieu dit au fond, serpent, mettez là, depuis où serpent manque, piquez nous, gardez-le, gardez ça. N'a pas guéri, n'a pas sauvé, n'a pas tué nous. Bon Dieu prend soin. Et puis le peuple s'est arrivé, la terre de Canaan, pour le montrer, bon Dieu, gratitude, li, pour le montrer, bon Dieu, que la reconnaissance y est envers, bon Dieu, il y a la reconnaissance. Premier jardin li fait dans Canaan, premier jardin le fait, premier fruit qui paraît dans jardin, parce que tout fruit pas paraît ensemble, ou grand pied mango là, tout mango pas paraît ensemble, ou grand pied avocat, tout pas paraît ensemble. Premier fruit qui paraît, ça au fait, yo ramasser le, yo porter le bail bon Dieu. Pour les prémices, les prémices de la récolte, les rivé devant bon Dieu. Gon ti parole pour le dire, pour le raconter histoire pendant le vin poter dans temple en bail bon Dieu. Il gon histoire pour le raconter. Histoire c'est qui ça? Histoire c'est histoire la ville. Histoire la ville. Nous elle ça en dans langage pas nous en théologie, yo relé ça le petit credo historique. L'elle rivé pour le raconter histoire en vend le bail bon Dieu les premiers fruits de la récolte pour le dire papa, c'est ton araméen errant. Et ton juif errant qui t'a marché à droite à gauche. Et puis, il descend dans le pays d'Égypte. Et c'est là que nous venons en pile. Là, nous venons en pile. Égyptiens ont tombé maltraités, nous faisons passer misère. Mais, bon Dieu, délivrez-nous, il fait nous sortir à main forte et à bras étendus. Il mène nous dans des ici, là, dans la terre. Mais fouille terre. Beauté fouille terre à bas haut, bon Dieu. Si vous exprimez ma reconnaissance, ma gratitude, premier fruit récolte là, pas pour vous. Premier fruit récolte là, c'est pour bon Dieu, pour dire mon Dieu merci. Même Jean, ou t'as goûté pour Jean ouvrier travail. Ou lutter en voyant Dieu travail là. L'argent travail là. Premier salaire là. Premier quoi vous touchez là. Si vous n'êtes pas ingrat, vous avez poté, vous avez séparé. Même si vous n'avez pas tout, vous avez l'église. Vous avez le côté où vous êtes pauvre, vous avez bail. Ça vous allez rendre grâce. Vous avez rendre grâce. Ou même vous avez une chance pour voler l'école, parents ont des moyens pour faire toute classe, toute université, toute bagaille. Son grâce pour être fort. Pour monter bon Dieu, la reconnaissance, il faut prendre des trois petits mouns. Parents ou pas qu'à voler l'école, ou voler l'école, ou payer l'école pour eux. Ou dire bon Dieu merci, ou prendre grâce, ou prendre grâce. Bon Dieu, il ne faut pas jamais malade, ou pas jamais malade. Son grâce liée, ou pas jamais malade vrai, ou pas jamais coucher à l'hôpital. Mais, et pour dire bon Dieu merci, elle fait une visite à l'hôpital pour ton bagage dans un malade. Fait malade la cadeau un bagage pour dire mon Dieu merci parce que fait battre malade moi-même. Merci. Mais ça rend grâce avec Jérôme Magela. Mais ça lui dit c'est la vie ou bail ça. Le don de soi, le don total. C'est ça que mon Dieu recevra qui est agréable. Mais ça qui est agréable dans mon Dieu. Fais un kishoy pour mon Dieu pour dire merci. Pour dire merci. Même les grands vedettes, c'est pas sans raison. Ou bien les grands vedettes qui disent il y a un bagage gratis. Il va faire un spectacle, un concert gratis. Ce n'est pas si gratis, vrai. C'est parce que bon Dieu tellement bali, il est tellement bali. Pour dire mon Dieu merci, il rassemble tout le monde. Il dit bon, cette fois-ci, je vais faire un bagage, je ne vais pas prendre l'argent pour lui.
c'est pour mettre m'a fait ça pour tel hôpital pour mon handicapé yo. Eh bien faut le faire grâce à mes ça le dire rendre grâce c'est bail faut marcher mieux. Gérard, édifiez-nous. Bon Dieu, édifiez-nous. Bon Dieu, mettez-nous en coulis à un niveau nous-mêmes pour nous saints. Nous allons demander, bon Dieu, faveur ça, pour nous l'écoute et en même temps pour nous profondeur. Pour que tout ça, bon Dieu, dit nous aujourd'hui à travers Fête Saint-Gérard, 16 octobre 2021, toute parole ça, yo, rentre dans le cœur nous. Il fait nous grandir, il fait nous vivre plus bon, il fait nous vivre plus belle, il fait nous vivre avec l'autre plus bien. Nous demandons, bon Dieu, ça. Par notre mise, Saint-Gérard, pour nos papas, à petite là, à l'Esprit Saint, Amen. Mettons-nous debout pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu.
te gagné, elle a parlé avec bon Dieu, qu'il y a pas marché mieux, à nous parler avec bon Dieu nous en, qui fait nos promesses, il est toujours ensemble avec nous, il est toujours ensemble avec nous, il n'est pas plagué nous. Encore.
Bon Dieu, grand maître, je dis à nous faire louange pour vous, pour la merveille accomplie dans la vie Saint-Gérard. Saint-Gérard qui te remet pauvre, qui te remet pitié, qui te remet faible. Nous-mêmes, grand maître, nous sommes un peuple qui faible. Nous sommes un peuple qui pitié. Nous sommes un petit peuple que nous sommes, nous ne sommes pas un gros peuple. Nous n'avons pas un gros moyen. La journée, je dis à nous entraver. Nous ne sommes pas si pour monter, si pour descendre. Nous n'avons pas pour mettre corps, nous. Nous-mêmes qui sommes pauvres, malheureux, tant que bon Dieu, dis qui choye pour nous. Dis qui choye pour le peuple haïtien. Quel que soit côté nous, à bon Dieu, voyagez sous nous, gardez-nous, faites pas nous, aidez-nous à parler. Parlez pour nous, parce que vous avez parlé pour Saint-Gérard. C'est ça nous demandons par notre message, par notre petit roi Jésus-Christ, les mêmes qui vivent ensemble avec l'Esprit Saint, depuis tout temps et pour tout temps. Thank you.
Ensemble, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Seigneur, le sacrifice de notre volonté avec ses dons placés sur ton autel. Toi qui as accepté l'offrande de ton serviteur Gérard, qui s'offrait tous les jours avec le Christ. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour. Pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Oh,
Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe et en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Gérard et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu nous donnes au monde toute grâce et tout bien. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, en communion avec toute l'Église, en communion avec les rédemptoristes du monde entier, en communion avec tous ceux et celles qui cultivent cette même spiritualité alphonsienne, en communion avec tous nos fidèles, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, nous allons reprendre la prière des enfants de Dieu en faveur du peuple haïtien, notre peuple, en faveur des pauvres, en faveur des petits. Ensemble, disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partagez un signe de paix. Thank you.
Thank you.
Que le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous remplisse du désir perpétuel de te plaire, afin qu'à l'exemple de Saint Gérard, nous nous efforcions sans cesse d'accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il y règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Sœurs et frères, bonjour. Bonjour. Bonne fête. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner notre vie? C'est ce que nous venons de chanter. Je me permets de saluer la présence du révérend perpétuel Gérard, supérieur régional des rédemptoristes en Haïti, de Père Daniel Félix, supérieur du monastère de Saint-Gérard, mon supérieur. Je salue nos confrères qui concélèbrent avec nous. Je salue mes frères et sœurs dans la vie consacrée. Je salue les membres du conseil de la pastorale paroissiale, les membres des différents comités, groupes, chorales et services pastoraux de la paroisse. Je vous salue, fidèles du Christ comme moi. Je vous salue. Hommes et femmes de bonne volonté, je vous dis bonjour encore et bonne fête. Après 9 jours de prières nourries de chaleureuses prédications, nous venons de magnifier le nom du Seigneur qui nous a servi de bouclier sous le regard bienveillant de notre frère Gérard Magella. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. Il mérite d'être applaudi et je vous le demande un grand bravo. Nous voulons remercier d'une manière toute spéciale Monseigneur Max Leroy Mésidor pour sa sollicitude pastorale. Il m'a appelé afin de s'assurer que tout est en ordre pour la célébration. Il a accepté de déléguer, juste avant la fête, son vicaire général pour administrer le sacrement de la confirmation à 125 jeunes et adultes. Un gros bravo à Monseigneur Max Leroy. Un grand merci à notre frère, Père Adonai Jean-Juste, pour sa disponibilité et son zèle de prédicateur infatigable. Merci, Père Adonai, d'avoir accepté sans hésiter notre invitation. Que Dieu te bénisse et bravo. Merci, c'est votre ancien pasteur, c'est très bien, merci.
Chers confrères prêtres, vous qui avez prêché pour nous pendant la neuvaine, vous qui avez été au confessionnal pour administrer le sacrement de la réconciliation pendant la neuvaine, vous, confrères ici présents, chers diacres, merci d'être là avec nous pour rehausser l'éclat de la célébration. Merci. À mes proches collaborateurs qui ont, tout comme moi, reçu la charge d'âme de la paroisse, Père Thierry, Père Duquens, Père Renol, je ne trouve pas de mots pour traduire ma satisfaction de vous avoir comme infatigable collaborateur. Merci de m'accepter comme je suis et de vouloir avancer avec moi comme compagnon de route pour le bien des fidèles du Christ de la paroisse. Merci mes collaborateurs. Religieuses et religieuses, vos prières nous accompagnent toujours et votre présence ce matin témoigne de votre attachement à la paroisse. Merci de votre présence. Merci bien mérité à nos frères Fritz Louis-Simon et Augustin Soivillien qui nous ont accompagnés pendant les préparatifs. Merci aux compagnes de Jésus et à la communauté Christ-Marie-Alphonse. Un grand merci de votre accompagnement. Je remercie l'ex-député de la paroisse de la circonscription, Jean-René Lochard, qui, malgré ses multiples difficultés, surtout sa tristesse, a accepté d'être là avec nous. Un grand merci à l'ex-maire de Port-au-Prince, Madame Pouponneau. Merci à vous, chers députés, Madame Pouponneau, pour ce que vous êtes pour la paroisse. Un grand merci à vous. Nous allons prendre un petit temps, essayer de garder les bravos. Alors, on va applaudir seulement à la fin, tout à l'heure, dans quelques secondes. Merci à Proche et à l'équipe de la construction qui ont accepté de libérer l'église pour la célébration. Chers invités, chers pèlerins, nous vous disons un grand merci venant du tréfonds de notre cœur. Vous avez fait montre d'une solidarité qui nous fait chanter encore plus la gloire de Dieu. Merci à vous. Merci à nos familles, famille Félix, de Félix, famille Antoine et famille Pierre, qui n'ont cessé de nous accompagner. Nous n'aimerions pas laisser passer cette opportunité sans saluer le courage et le dynamisme de la famille Soivillien, de notre sœur Sylvie, dit Dieu seul suffit, de Boniface et du groupe Tabernacle de Grâce. Ces gens se sont donné corps et âme pour la paroisse. Ils ont travaillé dur pour assurer le transport des bancs et pour la réception de cette année. Merci beaucoup. Merci aussi à la famille Léonard et à la famille Lochard pour votre participation. Un grand merci à vous. Merci Père Pierre-Antoine de Ruisseau, un confrère solidaire qui a travaillé dur avec Sylvie et Bonnie. Mon frère, chapeau. Merci à Père Nicolas Jean-Jacques, notre cérémoniaire. Merci, mon frère, de ta disponibilité. Merci aux membres du conseil pastoral paroissial, aux différents CP. Merci aux services pastoraux. Merci à l'équipe de la logistique, aux jeunes de la Ouda, aux mégistes, aux Kiro, aux scouts, à toutes les chorales qui ont animé la neuvaine et celles qui animent les solennités, qui animent et ont animé
les solennités de 6 heures, solennité de 9 heures et la solennité de 4 heures. Aux musiciens qui nous ont charmés par leur mélodie et chamellés d'une harmonie sincère, nous disons merci. Merci à tous les autres groupes de la paroisse. Merci à l'équipe de la sacristie et à l'équipe de la sonorisation. Merci et gros merci à Pigeon. Merci à tous ceux et celles qui se sont donnés avec beaucoup d'amour pour préparer la réception. Merci spécial à la brasserie La Couronne qui va offrir à chaque fidèle en sortant un sandwich et du boisson. Merci à tous ceux et celles qui se donnent depuis avant-hier dans la cuisine, dans la discipline et dans le service de table. Le clergé vous sera toujours reconnaissant. Merci à l'équipe de Maryse qui a encore décoré l'église gratuitement cette année. Merci à Sœur Nelly. Merci aux ambassadrices. Merci au service de voirie de la mairie de Port-au-Prince. Merci spécial à M. Ghana. Merci beaucoup. Merci aussi à notre frère Samuel Félix pour son support. Il chante et il pense à la paroisse. Il pousse la mairie à nous accompagner quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, mon frère. Un gros merci au groupe ACNDI. ACNDI, merci, chapeau. Pour le nettoyage de l'environnement paroissial. Merci à Elto, à Bourdeau, à Senofa, à Lama, à Rabi et son équipe. Merci à Maken et à Oudi, nos amis de Château. Merci à l'équipe de l'animation de la paroisse. Chapeau pour nous, pour s'annouiller pour paroisse, l'équipe animation. Merci, un grand merci à Soleil la Foi, ensemble avec groupe missionnaire de l'Esprit Saint, d'Ipicine la Grâce. Un grand merci. Merci à tous les autres fidèles et amis qui ont contribué financièrement. Merci à nos fidèles collaborateurs de Pax Villa, M. Loubo. Merci à Radio-Télé-Guinée, spécialement au PDG Borges. Merci Claire de Lune. Merci Ifort. Merci à nos parents et amis de l'étranger qui ne veulent pas que leur nom soit cité. Merci à la presse, spécialement Radio-Télé Altagrasse, Radio-Télé Petite Maman Marie, Radio-Télé Guinée, Radio-Télé Soleil, Focus Haïti Média, Radio-Télé Caraïbes. Merci d'être là pour retransmettre cette célébration. Merci à tout le personnel du monastère, nos employés. Merci à nos amis de Château, un grand merci. Et enfin, à vous tous qui êtes présents ce matin et ceux et celles qui voudraient bien, mais ne peuvent pas y être, les pères Duquens, Renault et moi, vous disons un grand merci et que Dieu, à l'occasion de cette fête, vous enrichisse tous et toutes. Encore bonne fête, merci et mille merci à chacun de vous. Juste un petit point, Mabdil, pour nous tous comprendre. Nous gagnons la couronne qui t'a remé aider nous. Nous quittons charge d'un amélo pour chaque fidèle au moins t'as capable de nous sandwich. C'est pour ça, monde qui gagne 4 jonio, nous pas besoin de retendre sandwich la couronne non, parce que nous avons 40 rés pour réception pour permettre l'autre monde qui a joindre. Nous connaissons Gérard, la charité. Donc nous avons fait avec charité. Entrer dans ces barrières devant des bougies ticat là. Si vous n'avez pas ticat là, nous offrir pour participer dans la couronne. Parce que Monseigneur a beaucoup nous permission pour nous faire réception. Mais nous connaissons Saint-Gérard une tradition spéciale. C'est peut-être ça, Anessa, nous avons décidé de partager avec pauvres, nous, miséreux, nous. Donc nous même tout, qui a vivre pauvreté ça avec nous, nous partager qui choye avec nous. Quand même, parce que c'est tradition Saint-Gérard. Pour ça, leur a sorti sous un petit cat là, font ils tant nos tout petits devant barrière, n'a pas mettons-ils là depuis à font entrer. Mais pour tout le monde qui
gen responsabilité coordonner groupe nou ak koral nou yo Fontitan nou sou côté a gagné invité spéciaux mettre Fontitan nou sou côté a et puis ba non titan bien chita nou capable chita là ba non titan zanmi nou délégation k sou château ou mettre ba non titan et puis n'a pas arrangé ça pour capable joindre moyen pour attabler avec nous. Merci en pile pour ça nous y est encore et bonne fête. Frère Maxime Yo, moi je voulais dire, Père Claudel, curé paroisse la merci pour deux raisons. Il y a plusieurs raisons, mais je dis nous deux pour deux raisons. Première raison, c'est pour lui-même, comme rédemptoriste, comme membre congrégation, comme serviteur, et pour personne ni, pour s'allier. Et pour tout ça que l'affaire pour peuple bon Dieu a, pour rédemptorisme, pour travail, c'est Alphonse Alpi devant. C'est lui-même qui est maestro, n'a pas voir ça, c'est lui-même qui a coordonné, etc. C'est lui qui a coordonné toute bagaille, pour toute bagaille qui a pas bien passé. Et maintenant, nous avons une belle fête. Donc c'est grâce à Géfol, intelligence, etc., dévouement et zèle. Alors on me dit, Père Claudel, merci pour ça. Ne pas oublier, sourire, se représenter pour nous chaque, comme Madame Touriste, dans tout ce qu'on fait qui est belle, grand, etc., qui est bon pour bon Dieu. Et deuxième remerciement, Père Claudel, c'est parce que Lydie, l'a invité maintenant sans hésiter. Je ne vais pas hésiter. Est-ce que nous ne vais pas hésiter? Je ne vais pas hésiter. Son confrère qui m'a demandé bal coup de main pour travailler Jésus-Christ avec tout cœur même j'en demande maintenant avec tout cœur lui m'a demandé avec tout cœur tout moi répondre nous femme dit n'a femme dit un troisième que m'pas voulu dire. Nous répondons avec tout comme tout, non seulement pour lui, mais pour nous tous. Parce que nous l'en comme. Tant que Père Claudel te dit tout à l'heure, c'est ancien pasteur nous, c'est ancien vieux pasteur nous, que mieux. Donc, tu es curé nous tous. Tu avais dit, donc, nous ne pouvons pas dire oui pour venir nous, passer où nous, comment nous y est. Comme si nous vivons, comment nous debout, etc. Donc ça fait un plaisir en pile pour nous être capables, ensemble avec nous, dit Père Claudel, merci. Et pour finir, fête Saint-Gérard, c'est fête ralliement, c'est fête toute rédemptoriste, quel que soit côté pour rassembler. Fête, c'est fête qui rassemble nous, tout fait un seul, qui fait toute rédemptoriste rassembler. Par conséquent, il faut me répondre à l'appel du ralliement. Donc nous disons tout, dit Père Claudel, merci, et nous disons tout, merci tout. Grand maître là avec nous toutes. C'est pour bon Dieu, belleté avec cœur content, Saint. Bénis-nous avec bénédiction tout temps. Lui-même qui fait nous faveur, fêtez grand fête jeudi. Amen. N'a profité, béni. Tout petit pain Saint-Gérard, qui c'est signe de communion nous, l'un avec l'autre, signe de communion nous avec bon Dieu, et signe de communion nous tout avec patron nous, Saint-Gérard, qui a toujours été assez pour nous, qui n'a pas blagué nous. C'est pour bon Dieu, lui-même qui plein faveur, lui-même qui plein grâce, lui-même qui riche en bonté, Dieu de tout réconfort, de toute consolation, c'est pour le béni pain Saint-Gérard, dans notre qui papa, avec petite là. Avec l'Esprit Saint. Amen.
C'est pour nous délivrer en bas sac mal coulé grâce à la prière Saint-Gérard Magella. C'est pour nous joindre l'éducation dans l'exemple conduite qui est saint. Pour nous toujours kembe à occuper dans le service bon Dieu avec frère nous. Amen. C'est pour bon Dieu, c'est pour bénédiction bon Dieu qui gagne tout pouvoir. Papa, avec petite là, avec l'Esprit Saint, descend sur nous toutes et pour le rester pour tout temps. Allez à quel content. Rappelez-nous, messe demain, c'est à 6h, et nous avons gagné l'autre messe Kaplong à 8h, pour la messe ordination de Diaclo, demain à 8h. Non, pas gagné messe à 4h demain après-midi, parce que toute fidèle est invitée à 8h ici, pour venir dire Jack Jonas et Jack Jokebed, yo content, yo avec yo dans l'ordination. Merci à peu.